Hôtel Guingamp, hôtel, bar, séminaire, situé au pied de la gare. Plusieurs mois d'attente, ça y est, nous pouvons enfin vous annoncer l'ouverture du site alaguingampaise.com. Rien de révolutionnaire, c'est juste une plateforme qui vous permet d'être redirigé vers tous nos contenus. Les soirs de match, vous branchez dessus et vous allez sur Facebook, YouTube ou Twitch. Les autres jours, vous pouvez aussi retrouver nos podcasts, notre boutique, pour ceux qui aiment la casquette, pour ceux qui aiment le café, ou ceux qui aiment tout simplement rigoler avec leurs copains ou tout seul. Voilà, le petit décapsuleur qui va bien. Et puis, il y a également un espace pour les partenaires qui souhaiteraient faire un petit peu de pub sur nos contenus à laguingampaise.com. Il n'y a pas plus simple. Regardez comme c'est bien au quiz à la mandoline. Vous pouvez vous inscrire, il reste de la place pour 4-5 équipes. Regardez, des places pour Guingamp-Rodez. C'est pas beau ça Gaëtan Pinel, on fera gagner ça au quiz, merci en avant de nous avoir offert ça, donc disponible à la mandoline, 6 places pour le Guingamp Rodez du match, du mois de janvier, pardon, allez je vais les ranger là parce qu'il faut pas les perdre quand même. Relance Guingamp pèse, allez pourquoi pas, une contre-attaque avant la pause, Guillaume. C'est une position que j'aime particulièrement avoir aussi de temps en temps, être face au jeu. Et puis je me projette, il y a des bons appels, notamment Amine à droite, Amadou à gauche. Guillaume, il y a Sania à gauche en bonne position, faut le décaler. Je me dis que la défense se déporte vers la droite, donc j'essaie de la casser vers Amadou pour qu'il soit pris un peu en contresens. Voilà qui est fait, Sania dans la surface. Et puis il me la remet gentiment et puis... Sania qui va remettre ce ballon, Guillaume. Et le voilà. On m'a toujours dit en tant qu'attaquant de remettre d'où ça vient, donc c'est ce que j'ai fait et puis ça rentre, tant mieux, je suis content. Le voilà, le but Guingampé, le troisième de la saison pour Baptiste Guillaume, qui vient fêter, célébrer ce but devant le camp Guingampé qui fait du bruit ce soir, qui est entendu dans le stade de l'Aube et juste avant la mi-temps, Baptiste Guillaume qui vient récompenser les Guingampais sur ce centre de Sania. Le 1-2 à l'arrivée entre les deux hommes et ça fait 1-0 pour l'homme avant Guingamp. Alors, la dernière partie de cette interview, Jules Godin, c'est un petit quiz. On le faisait à l'époque de la radio avec les anciens de Guingamp pour revenir un peu sur leurs années guingampaises. Nous, c'est surtout sur l'année dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. À ton avis,
Salut les amis, bienvenue dans le chaudron. Il fait froid, mais on peut pas s'y tromper avec l'ambiance autour de nous des tifos qui sont en train de se déployer à gauche et à droite. Mais une petite chambrée ce soir, 17 000 supporters attendus seulement dans le chaudron, dont une vingtaine de Guingampais qui sont juste en face de nous. On vous fera une petite photo tout à l'heure. Coup d'envoi dans 6 minutes. Vous connaissez comment ça marche maintenant sur la Guingampaise. Voici la compo qui est déroulée, expliquée par Stéphane Dumont. Stéphane, quelle est la compo ce soir pour affronter les Verts? Enzo Basilio dans les buts, une défense Donatien Gomis, Pierre Lemonnier, Emen Ben Mohamed à gauche, à droite Maxime Sivis, au milieu Kalidou, Sidibé, Dylan Louiser, à droite Mehdi Merguem, à gauche Hugo Picard et devant Baptiste Guillaume et Amine El Ouazani. Une seule retouche encore ce soir, on imagine que voilà, t'aimerais voir un comportement différent, retrouver une équipe un peu plus pétillante peut-être. Ouais, c'est sûr que ça a été un match fermé ce samedi. Après, si on se transpose à il y a 10 jours, à 3, on avait eu beaucoup de récup et beaucoup d'amorce sur le front de l'attaque qu'on avait mal concrétisé. Donc oui, forcément, être un peu plus pétillant peut-être. Mais aujourd'hui, on sait où on est aussi. Et il va falloir qu'on soit aussi très rigoureux, très concentré pour ne rien laisser. Justement, l'année dernière, tu parlais un peu de l'enceinte, le contexte ici, ça va être une découverte pour beaucoup, là ça l'est moins, voilà, il n'y aura pas de quoi être impressionné ce soir. Non, bah, il faut passer par là, puis c'est toujours très, très formateur, ils l'ont eu pour la plupart la saison dernière, notamment pour plein de joueurs, donc forcément il faut être capable de s'en servir. Voilà Stéphane Dumont qui déroule cette compo, un seul changement, Mehdi Merguem qui rentre dans le 11 de départ. Les équipes vont entrer dans quelques secondes sur la pelouse. Moment pour nous de retrouver l'interview de Maxime Sivis. Maxime, comment on est trois jours après la fin de cette série? Comment on sent aujourd'hui avant de débuter un nouveau match? Bah voilà, je pense que ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit, on joue trois jours après notre défaite. Donc c'est vrai qu'après deux mois et demi sans perdre, si je dis pas de bêtises, c'est vrai que ça met un petit coup derrière la tête parce que c'est un petit coup d'air, on avait pris cette habitude là. Mais voilà, on peut rétablir la donne trois jours après, d'autant plus dans un beau stade comme ça. Donc non, on se sent prêt, on est bien dans nos têtes et on va vite essayer de passer à autre chose. Justement, le stade l'année dernière, on vous avait vu les yeux un peu écarquillés, ça y est maintenant la découverte c'est fini, il n'y aura plus l'effet de surprise maintenant. Ouais, voilà, parce que ça reste quand même Saint-Etienne, c'est un gros cadre français, donc pour la plupart, on n'avait jamais eu ce stade. Enfin, voilà, maintenant, on les a déjà joués, on connaît ce stade, donc voilà, on arrive. C'est une belle équipe, donc on est prêt à tout donner ce soir pour faire un résultat. Dernière question, vous êtes costaud en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire par contre pour retrouver une équipe un peu plus pétillante offensivement? Je pense que ça passe par la rigueur, c'est voilà, tout ce qui est, on va dire, qualité de première touche. On a perdu un peu cette folie qu'on avait en début de saison, donc à nous de la retrouver, ça passera que par là, trouver la folie et la fougue, jouer sans frein à main. C'est ce qu'on vous souhaite, merci. Voilà Maxime Sivis à notre micro, merci les enfants pour cette partie qui va démarrer dans quelques secondes. Ouh, et dites donc, il y a un nuage de fumée noire, les amis. Je vais vous faire une story qu'on vous mettra après le match parce que là, j'ai absolument pas le temps. On vient de vous mettre quand même la photo du tifo de droite et du parkage guingampais ainsi que notre installation. Promis, on fera tout à l'heure. On vous mettra ça en story, mais après le match, parce que là, on a plein de choses à faire. Il faut d'abord commenter ce qui se passe sur le terrain. La compo de Guingamp, vous la connaissez, celle de Saint-Etienne. La voici, la grosse information, c'est le retour dans le but de Gauthier Larsonneur, l'ancien gardien de Brest, qui devrait faire beaucoup de bien à cette équipe stéphanoise. On aura aussi, du côté des Verts, une défense à 4. Léo Petro, Michael Nadé, Dylan Batoubine, Sika et Denis Sapia. Un milieu avec Florian Tardieu. Hop. Il y a le chrono qui va bientôt démarrer, les amis. Je ne veux pas le rater. Je ne veux pas vous mettre un petit peu dans l'embarras. Donc, voilà, on va... Non, ça, il y a vérification des filets. Donc, milieu de terrain, Fomba Tardieu, animation offensive dans les couloirs.
Cafaro, Rivera et Mouefek en soutien de Gaëtan Charbonnier, l'avant-centre de cette équipe des Verts. Tout est en place pour le coup d'envoi des Stéphanois en vert, des Guingampais en rouge et noir, eux qui avaient joué en noir l'année dernière. On parlait de cette rencontre de l'an passé dans l'avant-match il y a quelques instants, parce que c'est vrai que l'an passé Guingamp avait fait un super match ici, surtout une super première période. Guingamp menait 2-1 jusque dans le dernier quart d'heure, et malheureusement les Verts finalement avaient fait pencher la balance en leur faveur en gagnant 3-2. Beaucoup découvraient cette ambiance du Chaudron. Ce n'est plus une découverte cette année. Et voilà, il faut montrer du caractère face à une équipe qui va très très mal. 4 défaites consécutives pour les Verts de Laurent Batless, qui est menacé, qui est en danger ce soir, dont sa place pourrait se jouer d'ailleurs si Saint-Étienne ne bat pas Guingamp aujourd'hui au Chaudron. Tac, c'est parti à l'instant. Coup d'envoi donné par les Guingampais. Damien El-Ouazani, Donatien Gomis loin devant vers Baptiste Guillaume, la tête stéphanoise, celle de Denis Sapia. Les bancs des deux côtés, on n'en a pas parlé. Pour Guingamp, Nias, Manceau, Roux, Iglesias, Sania, Sioué, Courtet, Rioux a fait le déplacement mais est en tribune. Saint-Étienne avec dans ses rangs sur le banc Green, Nadé, Chambost, Lobry, Fall, Sissoko et Karim. Si c'est les absents pour Saint-Étienne, Bouchouari qui est régulièrement titulaire, il est suspendu ce soir, blessure de Monconduit, Wadji, Bentaig et Stéphane Diarra, alors que là il y aura un coup franc pour Guingamp dans le camp stéphanois. Et pour en avant, vous connaissez les blessés de longue date, Ndour, Louvambo, Vallier. Coup franc pour les Guingampais dans la moitié de terrain stéphanoise. N'hésitez pas à nous donner votre petit pronostic, chers amis, avant que ce match peut-être ne prenne une autre dimension. Coup franc pour Guingamp après pile une minute de jeu. Merguem qui va le frapper vers le second poteau comme toujours. La tête de Gomis, une faute signalée par l'arbitre de cette rencontre. Olivier Tual, faute visiblement de Sidibé. Et le ballon est rendu à l'équipe stéphanoise. Les arbitres, on n'en a pas parlé. Olivier Tual au centre et assisté de messieurs El Hamzaoui, Tenard et Lucas. Allez-y pour vos pronos. Je vais tout de suite sur mon téléphone portatif pour aller voir ce que vous me dites. À noter que à la mi-temps, vous le savez peut-être, sans doute, vous aurez un petit extrait du podcast du Cop Rouge. Dégagement de Donatien Gomis, loin devant dans les cieux. Stéphanois Gomis qui va se replacer désormais en charnière centrale. Monsieur Tual qui attend que le deuxième ballon soit rendu par le public. Oh là là, ils sont torse nus encore, les supporters guingampais dans leur partie de tribune là-bas. C'est assez incroyable. Sébastien qui donne un prono de 1-1 ce soir. Beaucoup voient des victoires de Guingamp. Loévan 3-1, Nico 2-1, Dams 1-0 pour Guingamp. Et écoutez, on va voir, on espère une victoire des Guingampais ce soir. La touche pour Mehdi Merguem et les Guingampais sur le côté droit. C'est Sivis finalement qui va l'effectuer. Sivis qui feu d'artifice là derrière le but d'Enzo Basilio. Tant que c'est tiré en l'air, ça va. Attention à ce centre. Guillaume avec El-Ouazani peut-être. Intervention de Briançon. Feu d'artifice. J'ai jamais vu ça. Je peux vous montrer un peu. Feu d'artifice. Écoutez, on espère juste une chose, c'est que Basilio ne soit pas touché. Mais là, ça pétarade. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est fabuleux ou inquiétant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la réalité du soir. Voilà, le bim bam boum. Bon, 3 minutes de jeu. Monsieur Tual qui arrête un petit peu le jeu et qui va voir le quatrième arbitre, le délégué aussi, pour demander peut-être un message du speaker. J'en profite pour faire notre petite pub parce que j'ai ramené 2-3 choses. Regardez comme elle est belle. La casquette, là c'est la vraie, hein, à acheter. À la Guingampaise, tac, et puis pour le nouvel an ou je ne sais quoi ou autre, tac, le décapsuleur à la Guingampaise. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça, je ne sais pas si ça fait le net, mais voilà, décapsuleur à la Guingampaise. Il y a aussi la tasse, hein, qui est disponible sur le alaguingampaise.com. Vous allez voir ça dans notre petite pub en bas de l'écran. Monsieur Tual qui attend que tout ça se calme un petit peu. On voit Loïc Perrin en tribune avec le président Romeyer. Il y a une grosse banderole d'ailleurs, hein, avant le match, pour mettre un peu les dirigeants face à leur,
face à leur gestion compliquée hein, de ces derniers mois. Club à la grande instabilité, l'AS Saint-Étienne qui joue sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. Ce n'était pas programmé et Laurent Batless le disait avant ce match, on voit très peu d'équipes monter avec déjà 6 défaites après seulement 16 matchs. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Il est en panne le micro du speaker ou bien? Alors, je sais pas, il y a le délégué qui parle. Bon, allez, on va essayer de... Voilà, message du speaker, évidemment. Les joueurs qui sont en train de faire des échauffements, de courir, de faire un peu comme ça, des étirements aussi pour se chauffer, se réchauffer, parce que là, on ne jouait que depuis 3 minutes hein, dans ce match. Et déjà, il y a eu donc cette petite interruption. Cafaro contré par Ben Mohamed. On va attendre évidemment de cette équipe de Guingamp qui a vu sa série d'invincibilité se briser face au PFC. Un peu plus d'audace offensive. Garder la structure défensive qui est quand même bonne parce que le Paris FC n'a tiré que 5 fois au but, 4 fois même au but dans le match samedi à Roudourou. Là maintenant il va falloir retrouver voilà, de la justesse offensive parce que Dumont le disait justement en conférence de presse d'avant-match hier. Le match à 3 c'était très ouvert, il y avait beaucoup d'espace, Guingamp a eu beaucoup d'occasions mais manquait de justesse. Et il y a eu ce même manque de justesse contre le PFC mais contre une équipe qui était beaucoup plus compacte et solide, et bien du coup ça s'est transformé en pas d'occasion du tout quasiment dans ce match, malgré un premier quart d'heure relativement réjouissant. Voilà, c'est ça que l'on va chercher du côté de Guingamp ce soir, de l'efficacité retrouvée offensivement. Sidi B vers Picard, la tête de Apia, celle de Fomba devancée par Sidi B, Briançon en difficulté devant Eloazani, succession de têtes stéphanoises, Tardieu qui remet le pied sur le ballon au milieu de terrain avec Lamine Fomba à gauche, la projection de Rivera mais la bonne couverture d'Enzo Basilio qui renvoie le ballon en dehors de sa surface de réparation. Tête de Fomba avec maintenant Sidi B. Oh, bien joué. Guillaume qui se met dans le centre de la marche. Oh, Guillaume qui peut avancer. Le contrôle est un peu long, mais il continue. Décalage pour Picard. C'est raté. C'est pas fini. Louisière qui récupère à 25 mètres. Plein axe. Mergame maintenant sur le côté droit. Mergame qui profite de l'appel de Loisani pour frapper pied gauche. C'était timide et c'est contré par la défense des Verts. Civis qui récupère avec Donatien Gomis. Mergame maintenant qui repart sur son pied gauche. Dommage. Là encore, manque de justesse parce qu'il y avait un bon coup à négocier aux abords de la surface stéphanoise. Long ballon de Lemonnier sur Civis qui peut centrer fort, très fort, et c'est dégagé au premier poteau par Batoubine Sikam. Il était excellent ce centre de Civis, fusant à mi-hauteur au premier poteau. Ça a mis en grande difficulté la défense des Verts et Guillaume qui attendait l'offrande. Malheureusement, Batoubine Sikam est resté devant et a pu dégager ce ballon. Merguem pour le corner. Guingampé, Picard à ses côtés, c'est joué à deux, deux contre un joué dans le petit coin là-bas. Mergame à l'angle de la surface, Mergame qui va peut-être partir pied droit, trouver une porte de sortie. Il est sorti avec le ballon malheureusement. Récupération des Verts avec un renvoi au 6 mètres. Voilà. Là aussi, il fallait un peu plus de lucidité pour Mehdi Mergame. Renvoi au 6 mètres pour Gauthier Larsonneur. 7 minutes et 38 secondes de jeu. On vous fait un dernier appel, les amis. On en a fait suffisamment, mais il n'y a quasiment plus de place. Il doit rester quoi, 2-3 tables de libre maximum pour le quiz. C'est jeudi, donc faites ça rapidement, les amis. Allez rapidement vous inscrire, envoyez-nous un message pour participer à ce quiz. Mais on a déjà hâte parce que il y a du lourd, il y a du lourd. À part les Calonnes qui, je crois, ne se sont pas encore inscrits ou pas inscrits du tout, eh bien, tous les anciens vainqueurs seront là. Je dépoussière un peu mon chargeur d'ordi qui ne marche pas. Heureusement que j'ai fait le plein avant la rencontre. Mais là, je sais pas, ça va être le froid. Je ne sais pas ce qui se passe pour mon chargeur. Ça devrait tenir hein, sur tout le match, les amis, ne vous en faites pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a relancé après le premier live lancé. Mais voilà, ça fait partie des soucis techniques. Mais c'est bien parce que l'autre jour, on n'a eu aucun souci technique lors du match contre le PFC. On a perdu. Ah, ça marche! Ah ben voilà, il devait y avoir une poussière. Ne vous en faites pas, ça va marcher. En plus, on a acheté, parce qu'avant c'était un prêt, une clé 4G. Ça marche du feu de Dieu ce soir. On est sauvés, on ne sera pas coupé dans ce déplacement à Saint-Etienne. Et puis, on fait un coucou aussi à nos amis de YouTube et de
Twitch. On va attendre avant de faire coucou parce que Saint-Etienne arrive vers la surface. Le centre, il est bon. Tête de Charbonnier dessus. Oh, Enzo. Enzo Basilio qui a touché le ballon. Il semblait aller au-dessus, mais c'est vrai qu'elle redescendait cette balle vers le dessous de la barre transversale. Peut-être finalement que c'était une grande idée de la part de Basilio de toucher ce ballon. Alors on a un retour télé à côté de nous, j'espère qu'on aura le ralenti dans quelques instants. Toujours est-il que c'est le premier corner du match pour les Verts. Cafaro pour le frapper, premier poteau, tête de Civis, Picard qui intervient, Picard bousculé, il y a faute. Oh, il n'y a pas de faute sifflée par Monsieur Tual qui laisse les Stéphanois avancer, centrer, c'est contré par Civis en position de latéral gauche sur cette situation. La balle vers la surface pour Mouefek devant le Monnier qui défend fort, très fort sur le milieu Stéphanois. Cafaro maintenant l'entrée de la surface, il est miné Civis, sans devant le but à côté. À côté, l'intervention de Briançon, premier poteau gêné par Gomis, c'est un renvoi au 6 mètres. Briançon réclamait un corner, mais ils nous mettent pas les ralentis, les enfants, là, sur l'écran. On a une super télé, mais on n'a pas de ralenti. Bon, puis ouais, je vais me faire encore gronder si je pique les codes MyCanal par madame. Super, super. Bon, 20h55. Écoutez, je vais quand même essayer de choper mes codes Canal pour voir le ralenti. Il y a des gens qui travaillent. Voilà, alors à qu'à regarder un replay dans le canapé. D'ailleurs, si vous avez une tactique, les amis, pour partager vos codes canal à deux quand vous êtes en couple, ça serait cool. Parce que je comprends pas pourquoi on ne peut plus le faire comme avant. Alors, Saint-Étienne-Guingamp, on est d'accord que c'est sur Bein ce soir. Hein, je regarde. Ben, il ne le trouve pas. Bon, ben, je vais rechercher un petit peu plus loin pour voir surtout hein, si la trajectoire de ce ballon, voilà, Saint-Étienne-Guingamp, pour voir surtout si ce ballon redescendait bien sur cette situation, pour voir s'il y avait pourquoi pas corner au lieu de 6 mètres. On revoit la tête de Charbonnier. Ah, elle me semblait au-dessus. Hein. Elle me semblait au-dessus. Basilio qui a mis... Ouais, passé au-dessus. Il ne s'est pas super bien situé, Basilio, sur ce coup-là. Et je regarde le centre de Cafaro. Est-ce que c'était 6 mètres ou corner? Ouais, je crois que c'était corner. Hein. Il a eu raison, notre ami Briançon, là-dessus. Batoubine Sika pour donner maintenant sur Briançon, justement, le capitaine des Verts qui avance de plusieurs mètres pour chercher un partenaire. Le voilà avec Léo Petro. Petro face à Merguem. Attention, Merguem qui a touché le ballon. C'est en retrait maintenant sur Gauthier Larsonneur, l'ancien gardien du Stade Brestois. Ça bouge bien hein, dans le bloc du KR 93 là-bas qui se prépare, hein, c'est dans allez, une dizaine de jours maintenant, 11 jours les 30 ans et on vous invite à suivre la page du Cop Rouge. Alors on vous partage leurs publications dès que possible, notamment là ils sont en train de ressortir toutes les vieilles photos des plus beaux tifos, notamment hier vous avez l'histoire de celui de la retraite de Coco Michel. C'était extraordinaire de voir le stade de Roudourou habillé d'un tifo sur les quatre tribunes pour un seul joueur. Ça n'est jamais arrivé. Le ballon pour les Stéphanois. Briançon avec Petro maintenant sur le côté gauche. Petro, Civis qui intervient sur cette passe moyenne là, de la part de l'ancien latéral de Lorient. Civis dans le couloir. Il n'y a pas hors-jeu, vas-y. Oh, je suis pas sûr. Allez, c'était... Téléphone encore, hein. On va re-regarder. Mais je suis pas sûr que l'alignement était propre. Mais Elouazani, il n'a pas joué le ballon sur cette passe en profondeur de Civis. On va en avoir le cœur net sur notre téléphone. Il y a 30 bonnes secondes d'écart. Hein, donc je ne vais pas être fixé tout de suite. Mouefek devant Gomis. Bien joué, Donatien Gomis qui touche ce ballon. Mais les Verts qui peuvent avancer avec Rivera sur le côté devant Civis. Rivera qui va à long de ligne. Le centre, le Monnier de la tête pour repousser. Le danger, tête de Louisère. Maintenant, attention, il faut être présent là-dessus. Pas de faute, Fomba qui récupère. Charbonnier, Mouefek. Le Monnier qui dégage, c'est contré par Mouefek. Deuxième tête de Ben Mohamed. Et dégagement finalement d'Hugo Picard. Alors, la situation là pour Elouazani, je regarde. Ouais, il y avait hors-jeu, effectivement. Pierrot n'a pas senti le truc là-dessus. Allez, ballon pour les Troyens. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens Troyens qui avaient accompagné Laurent Batless lors de la montée en 2021. Tardieu hein, parmi, euh,
parmi d'autres. Gomis qui contre ce ballon. Allez, la contre-attaque, elle peut être bonne. Super déviation de Guillaume pour ouvrir Guingamp sur un 3 contre 3 dans le camp des Verts. L'arrivée de Ben Mohamed sur le côté gauche. El Ouazzani qui décale Ben Mohamed. Ben Mohamed pour El Ouazzani encore. El Ouazzani qui arrive devant Tardieu. Le jeu de corps d'El Ouazzani au centre. Second poteau. Merghem qui est tout seul. Que fait-il? La frappe peut-être. Oui, c'est contré à côté. Merghem, il doit gagner en spontanéité. On sait que c'est un technicien hors pair, qu'il a de l'or dans les pieds parfois, mais là, il tarde. Ça y est, ralenti, miracle, centre d'El Ouazzani et Merghem qui a mis peut-être un tout petit peu trop de temps. Et la frappe qui a été contrée par un tacle de Petro. Corner pour en avant, frappé justement par Mehdi Merghem. 5 Guingampé dans la surface de réparation. Merghem pour envelopper cette balle. Corner sortant, second poteau, il y a El Ouazzani, il y a Sidibé qui remet le ballon de la tête, mais en plein dans les pieds verts, ceux de Fomba. Fomba pour l'intervention, finalement, Guingampès, récupération Lemonnier avec Merghem. Il y a Picard qui demande le ballon, le voilà servi, Hugo Picard. Picard qui va repiquer intérieur, contrôle un peu long, il arrive à donner sur Guillaume. Sidibé maintenant, dos au jeu à 25 mètres, Louis Zer, allez à droite, il y a de la place là-bas pour Sivis, long de ligne. Sivis qui contrôle, qui prend l'information, qui centre, c'est contré, nouveau corner et petit temps fort pour les Guingampais depuis quelques instants sur le camp stéphanois. Un quart d'heure de jeu, 0-0 entre en avant et Saint-Etienne. Merghem qui va arriver devant le parquage des supporters rouges et noirs pour aller frapper. Ça doit être le troisième ou quatrième corner hein, déjà pour les Guingampais ce soir. Ma webcam qui tac, voilà, qui part un peu vers le haut parfois. Merghem pour taper ce corner. Corner rentrant, c'est pas mal, c'est pas mal. Gomis était là. Sidibé encore, frappe au-dessus. Frappe au-dessus. La Parisie a suffisamment se retourner vite. Mais on sent qu'il y a des possibilités hein, pour les Guingampais sur les coups de pierre arrêtés ce soir. Ils sont plutôt bien frappés par Merghem. Et là, il y a eu gros danger, malheureusement. Gomis, il n'est pas arrivé dans le bon tempo sur cette situation. Et en se retournant, Sidibé, qui était en déséquilibre, il était un petit peu en train de tomber pour négocier à 7 balles. Pas de deuxième but pour l'instant, cette saison, pour Kalidou Sidibé. Je vais regarder vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, chers amis, sur Facebook. Je vois qu'on me demande mes codes. Non, c'est bon, hein. Alors, je vois des remarques par rapport au son. Je sais pas, moi, ça marche bien. Tac, 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 ça fonctionne au top. Bon, écoutez, tant mieux. Allez, le ballon pour l'équipe de Saint-Etienne. Je sais pas ce que vous me... Ah, ils sont partis, nos amis derrière. Ouais, je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient filmés quand j'ai un petit peu touché ma webcam. Je sais pas où ils sont partis. Je sais pas où ils sont partis. Alors parfois, ça peut être des gens de la sécurité, de la communication. Là, je ne les identifie pas. Mais je rassure ma mère, t'en fais pas, maman. Ils ne me voulaient pas de mal. Enfin, je crois pas. Bon, écoutez, ils sont partis. Peut-être qu'ils vont revenir. On les fera intervenir. Non, vous me dites si le son est bon, je sais pas, on me dit par rapport au reportage d'avant-match. Bon, on regardera ça après. J'espère que vous avez quand même pu bien entendre les réactions des uns et des autres. 17 minutes de jeu, toujours 0-0 entre en avant et Saint-Etienne. Début de match consistant hein, des Guingampais ce soir. Voilà, maintenant il faut transformer tout ça par une victoire, évidemment, hein, parce qu'on a quand même ce soir le 6e contre le 7e. Les deux équipes sont à 24 points. Et d'ailleurs, en parlant de 24 points, on vous a préparé une petite stat. Parce que on travaille quand même la préparation des matchs. Et regardez, alors où est-ce que. Alors je vais sacrifier le logo à la Guingampaise, hein, le temps d'une stat. Regardez le comparatif statistique de Guingamp entre domicile et extérieur sur ses 16 premiers matchs de la saison. Je vous laisse lire. Voilà, c'est exactement les mêmes chiffres quasiment partout, sauf au niveau des buts pour. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons, hein, domicile, des 3-0, 4-0, il y a eu des 2-2 aussi. Ouais, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites à domicile à l'extérieur, 14 buts à domicile, 8 à l'extérieur et 7 buts contre lors des deux. Ah, ça y est, je me fais enguirlander pour les codes Canal. Bah, alors... Il semblerait que nos amis stéphanois se soient souvenus qu'ils pouvaient mettre des ralentis sur leurs écrans. Donc, je vais
tâcher de ne pas me faire enguirlander une deuxième fois. D'ailleurs, celle qui m'insulte par message, c'est une des héroïnes de mon livre, hein, les amis. Voilà, hein, attention, la faute de la sœur Civis. Voilà, j'en ai qu'un avec moi. Voilà, vous connaissez, hein, ça passe de toute façon en bas de votre écran. J'en ai suffisamment parlé, on a suffisamment vu ma tête. Voilà, vous allez découvrir le personnage en lisant un peu ce bouquin. Le coup franc pour Guingamp. Alors, Kelwazan, il est en train de prendre des petites consignes auprès de Stéphane Dumont. Elwazani qui ne doute pas, hein, mais qui aimerait un petit peu retrouver le chemin des filets. Ça fait 4 matchs, je crois. 4 matchs en but, je crois, pour Amine Elwazani. Le dégagement de Petro loin devant vers Mouefek. Je rappelle la compo parce qu'on me l'a demandé. Basilio, c'est quasiment la même, hein, que le dernier match. Basilio dans le but. Il y a également en défense Ben Mohamed, Lemonnier, Gomis, Civis. Milieu de terrain, Picard, Sidibé, Louisère et Merguem. Attention à Fomba qui arrive vers la surface pointue. Ouh, la parade de Basilio magnifique. Parade de Basilio magnifique. Là, après le rebond, la petite manchette d'Enzo le magnifique pour enlever ce ballon du but. Je vais essayer d'être moins blanc, moi, parce que je trouve que là, elle n'est pas terrible là, l'image ce soir. Voilà, je suis un peu plus bronzé là. Et, tac, saturation. Voilà, un peu moins. Parce que bon, je veux bien que je sois blanc, mais pas abusé non plus, je suis un peu rosé quand même. La frappe en plus de Fomba, elle était dangereuse parce qu'elle a été touchée. Attention, corner, but! L'ouverture du score de Mouefek. Encore un Guingamp qui craque sur coup de pied arrêté sur ce corner sortant de Cafaro. Il y a eu un ballon freiné, plein axe, et Mouefek qui a repris après le rebond et qui a logé ce ballon dans la lucarne de Basilio. L'efficacité, l'efficacité, les enfants! On a eu presque autant de situations que depuis le début de cette rencontre. Et malheureusement, là-dessus, on se fait avoir. Mouefek qui fait une tête sur Batoubine Sika, son partenaire, et qui reprend pied gauche avec plein de spontanéité. Il avait déjà marqué l'année dernière lors du Saint-Étienne-Guingamp. Et voilà donc les Stéphanois qui mènent 1-0. On va pas dire sur la première occasion, hein, parce qu'il y a déjà eu la tête de Charbonnier. Il y avait eu la frappe de Fomba qui amène aussi le corner. Bon, il n'est pas fini ce match, il est ouvert. Hein, mais il va falloir courir avec, après le score, Guingamp qui n'était plus forcément habitué à faire ça, hein, depuis quelques semaines, quelques mois même, depuis le début de ce championnat. Dégagement de Basilio. Guillaume est à la retombée avec la tête de Batoubine Sika. Charbonnier maintenant, Cafaro qui arrive entre les lignes, Lemonnier qui est court, Cafaro qui élimine Louisère aussi, mais la bonne couverture de Ben Mohamed qui est obligé de mettre ce ballon en corner. Louisère qui est en train de pester contre l'arbitre, pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Restez dans votre match, les amis, restez dans votre match, parce que là, vous êtes mené, il n'y a pas à s'énerver. On a vu parfois des Guingampais un peu trop parler avec l'arbitre ces derniers temps. Corner de Cafaro. Cette fois, je le regarde bien parce qu'il y a l'écran qui me masque le poteau de corner. Cafaro pour le corner. Ouais, ça part bien encore. Dégagement de Louisière après une intervention de la tête de Sidibé. Guingamp qui a encaissé plus de la moitié de ses buts cette saison sur coup de pied arrêté. 15 buts encaissés, 8 dans cet exercice, que ce soit sur coup franc, sur corner ou sur pénalty, comme c'était le cas face au Paris FC la semaine dernière. Je n'ai pas noté la minute du but de Mouefek. Je vais faire ça tout de suite après cette touche de Civis. But marqué à la 21e pour Aymen Mouefek, qui avait marqué donc l'année dernière son premier but stéphanois contre Guingamp. C'était le 6 mai dernier. 3 buts en pro, 2 contre Guingamp. Serait-ce le Marcus Mokake des temps modernes? La touche pour Guingamp effectuée par Civis sur le côté droit. Civis avec Dylan Louisère. Saint-Etienne qui a l'habitude d'avoir des creux, hein, dans ses matchs, d'être assez irrégulier. Donc c'est pour ça qu'on vous dit pas de panique, les amis. Hein, restez bien branchés sur Ala Guingampès, parce que ce match n'est pas terminé. Et puis on se souvient aussi que lors du dernier match à domicile contre Pau, ils menaient 1-0. Ils étaient un petit peu tombés aussi dans la facilité. Donc voilà, aux Guingampais de ne pas perdre le fil de ce qu'ils font de pas trop mal. Mais
ajouter de l'efficacité, les amis, à tout ça. Mehdi Merghem pour le corner guingampais. Ça part plutôt bien. Dévié sur la tête de Guillaume. La tête de Batoubintsika, c'est pas fini. Gomis à la retombée. Les deux Stéphanois qui se tamponnent. Mais faute de quoi? C'est le Stéphanois qui le tamponne. Dual. Combien de fois? Déjà que les guingampais réclamaient une main tout à l'heure. Mais il s'est pris son copain en pleine poire. Pourquoi vous lui rendez le ballon? Est-ce qu'il y a une faute? Ah, il est un peu ceinturé. Mais le Stéphanois qui tombe, il n'y a pas de faute sur lui. Il n'y a pas de faute sur lui, Fomba. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, les Stéphanois se seraient sans doute dégagés. Mais c'est pénible les enfants, c'est pénible. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous poser comme petite question? En fait, tout notre stock de questions est parti dans le quiz de jeudi. Donc voilà, on reste un peu sur nos gardes là-dessus. Alors, je regarde vos commentaires. Ouais, faut être plus tueur devant les buts, ouais, et puis surtout être costaud sur coup de pied arrêté, parce que là ça commence quand même à devenir un petit peu inquiétant, hein, les enfants, dans cette saison. Parce que les coups de pied arrêtés, c'est trop important pour les bâclés. Puis en plus, on a quand même des beaux bébés, hein, dans la surface. Des Sidibé, des Gomis. Faut faire mieux. Guillaume aussi, qui sur coup de pied arrêté peut être intéressant. 26e minute, dégagement de l'Arsonneur. Loin devant l'Arsonneur qui envoie un ballon sur la tête de Sidibé. Ben Mohamed à la retombée qui dégage le plus loin possible. Tête de Apia, Sidibé qui intervient deux fois. Allez, le couloir s'est ouvert pour Hugo Picard. Baptiste Guillaume en position d'ailier gauche. Le voilà servi. Et Guillaume qui redonne sur Picard en une. Ça c'est bien joué. Picard en retrait. Loisani qui s'en mêle les pinceaux alors que juste derrière lui se trouvaient Sidibé et Merghem en excellente position. Et se les face au but. Alors, Tardieu était derrière El Ouazani. Donc peut-être qu'il aurait pris ce centre. Et voilà, il faut... C'est de la justesse. C'est de la justesse, c'est de la coordination. C'est vraiment... C'est pénible parce que les intentions sont là, les mouvements sont là. Mais on a l'impression que c'est super dur de marquer. Et il nous siffle encore une faute de Gomis sur Charbonnier. J'ai vu quelqu'un me dire tout à l'heure que je n'hurlais pas assez fort sur l'arbitre. Je vais court-circuiter la sono du stade et je vais brancher mon micro dessus. Hein. C'est pas possible. 1-0 pour Saint-Etienne face à Guingamp, but sur corner, pardon. De Mouefek. Je regardais Fomba. Ils sont à 10 là-dessus. Fomba, il est où? Ah oui, il est en train de se faire recoudre. Bah oui, il s'est pris son coéquipier en pleine poire. Ça a dû un petit peu le secouer et l'ouvrir visiblement au niveau du nez. Pika sur le côté gauche. Oui, pour Ben Mohamed. Ça c'est bien joué. Ben Mohamed, il y a un appel. Oh, de Loisani en profondeur. Et le centre absolument, pardonnez-moi, affreux. De Ben Mohamed dévissé qui part derrière le but de Gauthier Larsonneur. C'est... Il y a de la place. Il y a de la place. Je regretterai peut-être cette phrase de la minute 27-27. Mais il y a de la place pour faire quelque chose ce soir. Sauf qu'il faut retrouver cette confiance-là aussi. Hein. Le football, ça se joue surtout dans la tête. Des courses plus tranchantes. Des mouvements plus assurés, plus fluides, des prises de décision plus nettes aussi, et un peu de méchanceté aussi pour vouloir aussi casser le but. Oh là, Guillaume, il est très inspiré dans ses déviations ce soir. Nouvelle talonnade pour Louiser, Merghem. Allez, il y a Sivis qui sprint dans le couloir. Sivis en retrait pour Louiser. Louiser pour Merghem. Merghem qui va tricoter, centré du droit. Il y a du monde. Tête de Briançon. L'intervention de Mouefek maintenant chassée. Pas de faute. Parce qu'on est proche de la surface. On réclame encore une main du côté des Guingampais. Ça fait deux fois. Et la première fois, c'était juste avant le corner qui amène au but. On n'a pas vu malheureusement les ralentis là-dessus. Batoubintsika avec Cafaro maintenant qui arrive devant Picard. Cafaro
qui donne un petit ballon pour Rapia dans le dos de Ben Mohamed, en difficulté encore. Sandapia, ça passe devant tout le monde. Louisère qui a bien fermé dans son placement et qui permet à Picard de récupérer. Picard, il y a peut-être un appel en profondeur d'Elouazani. Picard qui tente le petit pont et qui ne passe pas malheureusement devant Tardieu. Rapia à la lutte avec Ben Mohamed, la touche est rouge. Bien vu monsieur le juge assistant. La remise en jeu qui va être effectuée par Ben Mohamed. Je crois que c'est le mur blanc derrière hein, qui fait hein, une image pas terrible. Je suis désolé. Hein. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est le réseau et le son. Ma tête, c'est pas très grave si j'ai le nez rouge. Mais bon, voilà, c'est. On aurait dû amener notre bâche à la Guingampèze. L'année prochaine, on y pensera. Hors jeu là de Charbonnier, ouais, c'est signalé par Monsieur Tual et son juge assistant. Coup franc frappé par Pierre Lemonnier dans quelques secondes. Le numéro 24, Guingampais qui cherche un partenaire. Il demande à tout le monde. Oh, je viens de penser une question pour le quiz. Je vais la noter dans mes notes téléphone. C'est pas une question qui concerne Pierre Lemonnier, hein, donc pas d'anti-sèche, les amis. Tac. Là, je la note. Déviation de la tête de Guillaume vers Picard. C'est couvert par Appia. Appia, ouais, qui protège bien le ballon. Et qui donne à l'arsonneur. Oh, je suis pas peu fier de moi. Alors, qu'est-ce qui signale, monsieur Tual? Ouais, l'arsonneur qui est en train de prendre une bouteille, de boire. C'est pas le moment, mon champion. Hein. Tu feras ça à la mi-temps. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Tardieu qui remonte le ballon et qui décale à droite. Denis Sapia, l'ancien latéral de Nantes, qui met le ballon dans l'espace là pour Mouefek qui se déplace bien. Mouefek devant Louisère Cafaro maintenant. Sidibé qui intervient pour récupérer le ballon et qui donne un retrait sur Pierre Lemonnier. Lemonnier en retrait pour Basilio. Allez, retrouver un petit peu plus de maîtrise, de sérénité avec le ballon et pousser les verts à la faute, les faire reculer aussi. Tête de Civis, récupération stéphanoise. Tardieu, hop là, vers Charbonnier, ça sort des limites du terrain. Voilà, ils sont en train un peu de déjouer, un peu en train de nous donner des ballons gratuits. Il faut insister maintenant pour Guingamp. On entre d'ailleurs dans un quart d'heure bien aimé. Ah non, pardon, c'est le premier de la seconde période. Quart d'heure bien aimé des Guingampais. Attention à cette balle qui traîne, Lemonnier qui vient le couvrir. Je voulais vous dire une petite stat. Oui, Guingamp qui a un record en Europe, on en a déjà parlé hein, depuis le début de la saison, notamment avec Baptiste Guillaume. Record en Europe sur tous les clubs des deux premières divisions en France, Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre. Guingamp est l'équipe qui gagne le plus grand nombre de duels aériens. De duels aériens, 493, si mon écriture est bonne. Et Guillaume qui est le leader de ce classement, même en Europe, c'est le joueur qui gagne le plus de duels aériens, 104 duels aériens gagnés par Baptiste Guillaume. C'est ça qui est étonnant, c'est que on règne dans les airs, mais on prend plein de buts sur coup de pied arrêté. Donc les duels qu'on perd, c'est dans des zones importantes. Et là, il va falloir progresser un petit peu dessus. Guingamp qui a pris un but à l'extérieur, ça faisait 4 matchs que ce n'était plus arrivé. Jamais dans son histoire en Ligue 2, Guingamp n'a assuré 5 matchs de suite sans prendre de but à l'extérieur. Donc voilà, ça ne sera pas pour cette fois, peut-être un peu plus tard dans la saison. Bien joué Guillaume encore, qui est inspiré dans sa déviation, ses contrôles orientés. Et malheureusement, le ballon en profondeur vers Elouazani n'était pas bon. De toute façon, il me semble qu'Elouazani était hors jeu au départ. Et à la suite de cette action, Merguem fait faute sur Florian Tardieu. Coup de sifflet de Monsieur Tual, coup franc pour les Verts. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être avec nous. Vous êtes 156 sur Facebook. Vous êtes combien sur YouTube? Parce qu'on rappelle que sur YouTube, vous pouvez régler, pour ceux qui sont abonnés à Bein, vous pouvez régler le son à l'image. 72, c'est bien les gars, c'est parfait. Merci à Daniel qui me dit que sur YouTube le son est parfait. Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas demandé de retourner la caméra. On l'a fait juste pour le feu d'artifice tout à l'heure. On espère qu'on ne va pas se faire gronder par la LFP. Louisère avec Merguem, ouais, ça passe là pour Elouazani. Louisère, maintenant Louisère qui sera suspendu pour le match de Concarneau hein, après un carton jaune reçu contre le PFC. Ben Mohamed, ouais, qui essaie de s'emmener le ballon dans le couloir, c'est bien joué. Ben Mohamed encore. Sidibé qui arrive en soutien. Sidibé qui cherche un appui, le voilà avec Elouazani. La passe à l'été forte. Elouazani qui n'a pas pu la récupérer, mais Sidibé règne de la tête et donne sur Louisère. Louisère, Elouazani. Elouazani qui arrive à se sortir de l'espace. Là, Elouazani qui arrive à trouver un bon ballon sur Civis. Centre de Civis, il n'est pas excellent, mais il est récupéré à l'opposé par Hugo Picard. Picard, allez, gagne ton duel, mon petit. C'est bien fait, le centre. Elouazani de la tête, dommage. Tête trop décroisée, mais
Belle situation, occasion pour les Guingampais. Le centre de Picard du pied droit qui a gagné son 1 contre 1 avec Appia. Le centre sur la tête d'Alouazani qui avait gagné son duel hein, avec Briançon qui était monté plus haut. Malheureusement, il a trop décroisé sa tête pour pouvoir inquiéter Gauthier Larsonneur. Tardieu, hop là, contré par Alouazani. Il peut être bon ce ballon négocié pour les Guingampais. Picard qui avance, Picard décalage pour Baptiste Guillaume. Le tacle de Batoubine Sika, c'est pas fini. Ben Mohamed qui va sauver le ballon de la sortie. Ben Mohamed qui centre, c'est contré, corner. Ça fait un bon petit paquet de corners hein, pour les Guingampais ce soir. Le public stéphanois qui hurle un peu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était contre le corner. Mais parce qu'il y avait corner hein, là-dessus. On va vous faire un petit point score aussi dans quelques instants. Corner, cinquième corner pour Guingamp. Mehdi Merguem pour le frapper. Ça part plutôt bien. Larsonneur qui sort et qui est gêné par un de ses partenaires. Et malheureusement, Sidi B qui met ce ballon au-dessus. Ça commence à être en kikinant. Ça commence à être en kikinant parce qu'on regarde les stats. Ah, il y a une stat qui nous parvient et qui est le résumé parfait de ce match pour l'instant et de la forme actuelle des Guingampais. Tir au but, Saint-Étienne 5, Guingamp 4. Pas beaucoup d'écart, mais tir cadré 3-0. Voilà, on n'arrive pas à cadrer pour l'instant du côté de Guingamp. Et à part un éventuel CSC, si vous ne cadrez pas, c'est compliqué. Voilà, c'est bizarre parce que c'est pas grand chose et en même temps beaucoup de choses. Voilà, il faut garder. C'est pas un mauvais match hein, que Guingamp fait comme souvent. Il y a rarement de mauvais matchs. Et des fois on s'ennuie, il n'y a pas beaucoup d'occasions comme contre le PFC. Mais voilà, allez, transformer ça, retrouver de la confiance. Sivis avec Merguem qui n'est pas hors jeu le long de la ligne côté droit. Merguem peut-être pour Sivis. Merguem qui va peut-être centrer du droit. Non, il revient pied gauche. Centre de Merguem repoussé. Louisère maintenant qui frappe à terre. C'est contré par Loisani. Guillaume en bonne position. Décalage pour Picard. Contré. C'est pas fini. Sidi B de la tête. Là, elle partait vers le quart celle-là. Mais Guillaume, on a eu l'impression qu'il pouvait frapper. Il était plein axe en excellente position. Il a préféré l'extra passe, comme on dit au basket, sur la gauche pour Picard. Qui a voulu s'appliquer aussi en enveloppant. Voilà, et le temps d'avance qu'on avait, peut-être qu'on a perdu là. Voilà, c'est aussi sur ces actions-là. Tentons notre chance de manière plus spontanée. Et ça va passer. Mais là, on sent hein, que c'est un temps faible pour Saint-Étienne. Est-ce un temps fort pour Guingamp? On ne sait pas. Mais Saint-Étienne qui n'arrive plus hein, à tenir le ballon, qui n'arrive plus aux abords de la surface de Basilio. Insistez, messieurs les Guingampais, et vous pouvez complètement revenir à égalité avant la fin de cette première période. Merguem, lâche-la, pépère. Voilà, avec Ben Mohamed sur le côté. Ben Mohamed en retrait sur Pierre Lemonnier. Lemonnier qui donne sur Sidi B, Plenac. Sidi B qui se retourne. Il y a un appel de Sivis en profondeur. Sidi B préfère donner sur Louisère. Louisère avec Gomis. Voilà, le travail de préparation aussi des Guingampais. Gomis avec Lemonnier qui donne sur Donatien Gomis. Gomis avec Louisère qui s'intercale entre le central et le latéral. Voilà, Sidi B, l'homme libre au milieu du terrain. Il y a un appel en profondeur d'Elouazani. Sidi B qui préfère allonger à l'opposé vers Picard. Tête d'Apia à la retombée. Guillaume qui permet à Ben Mohamed de récupérer le ballon. C'est bien joué. Ben Mohamed qui écarte sur Picard sur le côté gauche. Picard qui avance. Il n'y a pas assez de monde dans la surface. Alors on fait tourner avec Sidi B. Sidi B, Elouazani qui essaie de s'emmener. Elouazani qui accélère. Centre d'Elouazani, second. Poteau, il y a Merguem, il a Sivis qui tente la volée, c'est contré par Léo Petro, ça sera une touche, ça c'est bien joué, l'attaque guingampaise là-dessus après une longue séquence de possession. Sivis avec Louisère, Louisère Merguem, Louisère du pied gauche pour Guillaume, c'est dégagé par Batoubine Sika, tête de Sidi B, malheureusement directement dans les pieds de Cafaro. Cafaro Charbonnier devancé par Pierre Lemonnier. Appia sur le côté pour Charbonnier, Charbonnier encore, lui aussi ancien Brestois qui cherche un partenaire, le voilà. Avec Batoubine Sika. Combien de temps encore? 38e minute. Il y aura sans doute du temps additionnel. 2-3 hein, minutes après le feu d'artifice concocté par les supporters stéphanois tout à l'heure. Les Green Angels qui sont à ma droite et Magic Fans à notre gauche. C'est pareil hein, pour les gens qui regardent à la télé. Les caméras sont juste en dessous de nous. Larsonneur pour dégager. Donatien Gomis de la tête à la retombée. Dommage, dommage. Elouazani n'a pas pu prendre ce ballon. Ce sera une récupération pour Larsonneur. Mouefek qui reste au sol après l'intervention dans la tête de Donatien Gomis. Ça va être bien un ballon, je crois, une balle à terre hein, pour Larsonneur. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, les amis?
tac, tac, tac. Ah, ça y est, je l'ai fait. Cette année, c'est nos 30 ans. 30 ans qu'on chante pour l'en avant partout dans toutes les tribunes. Le Cop Rouge sera présent. Faut répéter, hein, les amis. Avant les 30 ans, contre Concarneau, merci à Loévan qui nous a ressorti les chants. Le chant fétiche du Cop Rouge dans cette saison 23-24. Mouefek qui reste au sol après le duel avec Donatien Gomis. Je regarde sur YouTube aussi si vous avez quelques petites questions. Morgane qui remarque que ça fait un moment qu'effectivement les coups de pierreté sont un peu un problème pour les Guingampais. Je regarde vos autres commentaires. On me dit merci PhD, bah merci à vous d'être là. Hein. Sinon, s'il n'y a personne qui regarde, nous on sert à rien. Hein. Et puis encore une fois, grâce à vous, grâce à la cagnotte du début de saison, bah, c'est grâce à vous qu'on est là. Avec les petites lumières vertes au-dessus de nous dans le virage. Dans le virage, pas du tout. Sur le toit stéphanois. Mouefek qui reste au sol. Hein. On regarde le duel. Il n'y a pas de faute. Hein, en fait, oui, d'accord. Il est retombé la tête la première, en fait. Après le duel aérien, il n'y a pas de faute de Gomis, mais ouais, ça a dû. Ouais, il a un peu sonné. Mouefek, il a l'impression qu'il a le haut du nez ouvert. Ça ne doit pas être agréable pour le buteur stéphanois du jour. Larsonneur qui va reprendre donc avec une balle à terre. Je pense qu'on aura 3 à 4 minutes hein, de temps additionnel dans cette première période parce qu'il y a eu beaucoup de stéphanois au sol. On a eu Fomba tout à l'heure qui a été ouvert, on a eu le feu d'artifice, il y a eu pas mal de choses dans cette première période. Et l'année prochaine, on aura le VAR en Ligue 2. Alors attendez-vous, est-ce qu'on ait aussi des temps additionnels à rallonge? Dégagement de Larsonneur, loin devant Charbonnier, devancé de la tête par Lemoni. Allez, deuxième ballon pour Elouazani qui se l'emmène devant Apia. Il passe devant, bien joué. La puissance d'Elouazani, déviation pour Picard. Picard qui n'arrive pas à rejouer avec Baptiste Guillaume. Apia contré par Sidibé. Mouefek qui va revenir sur le terrain après avoir reçu visiblement un pansement. Hein, quatrième arbitre qui dit au soigneur des Verts, mettez-lui un pansement, il a le haut du nez ouvert. Alors... Déjà que Fomba tout à l'heure a dû changer de maillot parce qu'il était ouvert après le duel avec son propre partenaire. Ben Mohamed de la tête pour Guillaume qui protège bien. Bien joué, qui permet à Elouazani d'avancer. Elouazani qui donne du pied droit sur Merghem. Allez, il y a un 2 contre 1 avec Sivis. Sivis qui plonge vers la surface. Merghem qui tricote encore, passement de jambes. Merghem toujours centre du pied droit, repoussé par la défense stéphanoise. Tête de Petro. Allez, ça va être récupéré par Louisère. Il faut insister, ils sont à 10. Les Stéphanois parce qu'ils ne trouvent toujours pas de pansement. Louisère qui décale Merghem le long de la ligne. Merghem qui va encore partir dans ses arabesques. Merghem toujours ressort, remédie. Et il continue avec le ballon. Voilà, il en a aspiré. Ressort maintenant sur Sivis. Voilà qui est fait. Bien joué de la part de Merghem. Sivis qui centre. Corner encore. Sixième corner du match pour les Guingampais. Voilà, là où on peut trouver encore de la spontanéité, c'est sur ces centres-là. Sivis aurait pu tout aussi bien centrer en une. Il a préféré, voilà, se rassurer, contrôler, centrer. Et là, souvent, c'est là que vous perdez le temps d'avance. Et c'est aussi sur ces actions-là que l'on voit qu'on n'a pas tout à fait la confiance nécessaire. Allez, la retrouver là-dessus, peut-être. Elle est bien partie. Légalisation ! Légalisation du géant Kalidou Sidibé qui a fait monter ses 2 mètres dans les cieux du Forez sur ce corner de Merghem. Ces coups de pierre étaient de Merghem qui ont quasiment tous été bien frappés ce soir. Ça allait bien finir par passer. Histoire de corner dans cette première période après Mouefek. C'est Sidibé qui marque. Un partout. Ah, bien joué mon pépère. Bien joué cette tête de Kalidou Sidibé, évidemment, qui était tout seul en plus. Hein, qui est passé devant Batou Binsika à 5 mètres du but. Tête smatchée. Imparable pour Larsonneur, ce ballon qui rebondit pile sur la ligne de but quasiment. Et voilà donc cette égalisation méritée hein, pour les Guingampais. On le disait, temps faible pour les Verts et puis temps fort pour Guingamp. Mais sur la durée, est-ce que ça fait 10, 12, 15 minutes que Saint-Étienne ne s'approche plus du tout de la surface guingampaise? Première passe décisive de la saison pour Mehdi Merghem et deuxième but donc pour Sidibé après celui contre Pau. But à la, bon, on va dire 42e. Hein. Sidibé qui a fait un peu le signe de la clim après son but, fait ça après le match qu'on aura gagné, Sidibé. Bon, l'égalisation c'est bien, ça vient un peu climatiser le truc si tu veux. Mais moi, je veux bien qu'on chante dans le football, mais après la victoire. Après la victoire. Et que ça reste correct, hein. Pas méchant, pas violent, pas vulgaire.
Voilà. Mais il y a de la place. Il y a de la place. Si vous êtes avec moi depuis le début de ce match, ça doit être la 122e fois que je le dis. Mais ce qui est bien, voilà, c'est de l'avoir matérialisé là-dessus, sur ce corner. Et puis on le disait aussi, je crois que c'était aux alentours de la 20e. On sentait Guingamp capable de marquer sur coup de pied arrêté parce que Merghem, il les tire très bien. Et puis souvent, il y avait un peu de danger, un ballon flottant, une équipe qui dégageait pas très bien ses ballons. C'est bien, c'est bien, c'est bien pour en avant qui remet Saint-Etienne dans le doute. Louis Zer avec Sivis sur le côté droit. Allez, on avance, on est capable de marquer encore un deuxième but avant la fin de cette première période. Pas de faute sur Sivis qui trébuche. Sivis au sol, Sivis qui essaye de la récupérer. Merghem qui va l'aider. Ouais, Sivis qui court encore très vite devant Petro. Allez, ça c'est pour nous. Tête de Sidi B, Louis Zer, voilà. On retrouve du contrôle. C'est vraiment bien ce que fait Guingamp dans cette première période. Gomis pour Sivis, c'est contré par un Stéphanois. Mouefek, bien joué Gomis encore, qui tacle devant le Stéphanois. Du coup, il recule de 20 mètres avec l'ami Fomba présent. Fomba qui cherche un partenaire. Le voilà avec Appia devant Picard. Crochet intérieur. Oh, il est encerclé par trois Guingampais. Denis Appia est obligé de donner en retrait sur Briançon. On va surveiller le temps additionnel qui va arriver dans 20 secondes. Rivera face à Sivis. Ah, papa, il a été éliminé trop facilement. Sivis là-dessus. Rivera devant Gomis. Rivera qui est passé, centre en retrait. Lemonnier qui dégage, qui met le pied en opposition. Et l'arbitre de touche, il a perdu son drapeau. 6 minutes, les enfants, de temps additionnel dans cette première période. Faute sur Guillaume. Et alors, l'arbitre de touche, j'ai rarement vu ça. Il a plus qu'un bâton dans sa main. Son drapeau visiblement qui s'est cassé en deux, ou alors le drapeau qui a quitté sa tige. Mais alors je regarde, non, c'est le drapeau qui a quitté sa tige. Ça va, voilà, faut remettre un peu de scotch mon petit copain là-bas, parce que ouais, il était au niveau de la ligne des 16m50 et son drapeau lui était au milieu du camp de Guingamp sur la ligne de touche. Un partout, hein, vous le voyez, entre Saint-Etienne et Guingamp. Ouverture du score, Mouefek à la 21e, égalisation Khalidou Sidibé à la 42e, les deux buts sur corner. Basilio avec Guillaume à la retombée, tête de Guillaume, voilà la tête de Ben Mohamed maintenant, et Loisani qui va jouer ce duel. Petite faute peut-être sur Batoubine Sika, mais le ballon reste vert. Oui, Ben Mohamed, bien joué, qui intervient bien très proche de Cafaro pour mettre ce ballon en touche. Remise en jeu et fait que te huer par Denis Appia sur le côté droit. Long ballon, Lemonnier est à la retombée, tête de Lemonnier. Louis Zer qui met le pied, tête de Batoubine Sika. Lemonnier aussi à la retombée, tête de Lemonnier. Guillaume, oh, oh, quel contrôle de Guillaume. Et qu'est-ce qu'il est inspiré, le ballon lui colle au pied ce soir. Merghem, ah, qu'il l'a perdu, c'est pas grave. Louis Zer est là pour nettoyer. Sidi B sur le côté gauche, calme. Oh, il donne sur Picard devant. Picard devant, c'est par Cafaro. Mais alors Guillaume, dans ses orientations, ses contrôles orientés, il nous a fait 2-3 talonnades, 2-3 déviations en une touche, des ballons qui collaient sur sa chaussure. Voilà, maintenant, soit inspiré pareillement dans la surface face au but, Baptiste. Il faut le trouver. Pour l'instant, à part tout à l'heure quand il a décalé Picard, il a rarement été en position de tir, le numéro 21 Guingampais. Ce soir, Ben Mohamed avec Khalidou Sidi B qui amortit ce ballon de l'intérieur du pied. Sidi B qui cherche un partenaire, il est chassé par Mouefek dans ce duel entre les deux buteurs. Le Monnier impeccable, bien joué, qui vient empêcher Cafaro d'avancer. En tout cas, ça a été dur pour Saint-Etienne depuis le but de s'approcher de la surface de Guingamp. On va regarder les stats actualisées. J'ai toujours pas fait le point score. Je vais le faire à la mi-temps. Ne vous en faites pas. 8 tirs à 5 pour Guingamp. 3 tirs cadrés toujours pour Saint-Etienne, qui n'a plus tiré depuis près de 20 minutes. Et un tir cadré pour Guingamp. Ça a été le bon. Ça a été la tête de Sidibé. Allez, peut-être le deuxième là-dessus. Avec le ballon gratté justement par Sidibé. Louis Zer pour Picard qui est passé devant Fomba. Picard, pied gauche, il y a du monde. Merghem, oh oui, Louis Zer. Oh, c'est arrêté par Larsonneur. Oh, quelle était belle cette action. Quelle était belle cette situation, ce ballon centré par Picard. Merghem, dos au but, plein axe, qui a donné en retrait sur Louis Zer, qui arrivait lancé au 20 mètres. Frappe sèche à terre, malheureusement un peu trop axial. Ça a permis à l'Arseneur de dévier juste devant Loisani qui est à l'affût. Merghem pour un nouveau corner, ça part bien. Ouh, une tête verte à la retombée. Fomba encore, allez, Ben Mohamed, il y a le temps de la remettre sur le côté. Ouvre ton pied gauche, Aymen. Voilà, Picard aussi qui est devant Merghem. Merghem qui va centrer, oh, c'est pas bien levé, c'est dégagé par une tête stéphanoise. Il reste 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et Guingamp qui domine de plus en plus cette fin de premier acte. Sivis pour Enzo Basilio, maintenant le capitaine
qui peut peut-être jouer sur la gauche parce qu'il y a deux tours de contrôle. Là, Guillaume et Sidibé. Voilà, c'est le côté gauche qui est alerté. Le ballon qui est long, mais qui arrive sur Guillaume dans la surface. Guillaume avec Hugo Picard. Sidibé qui arrive aussi vers la surface de réparation. Picard qui va encore perforer, centrer. Il y a Eloisani. Oh, la tête de Briançon. La tête de Briançon. Et l'Arsenal obligé de dégager en catastrophe. Directement dans les pieds de Sivis. Dépêche-toi. Centre là, non. Il temporise. Il donne sur Louisère. Merguem sur la droite. C'est intense, c'est très intense ce temps fort. Et la faute sur Merguem juste avant la surface de réparation. On appuie terriblement fort sur le but stéphanois dans cette fin de première période, les amis. Il y a beaucoup de panique, même l'Arsenal s'est mis à paniquer. Là, il y a une faute assez nette de Cafaro sur Merguem. Après son passement de jambe, il a laissé sa jambe dans la course du franco-algérien. Là, on aurait vraiment la très très bonne idée de matérialiser hein, cette domination totale dans cette fin de première période. Alors, Monsieur Tual, qu'est-ce qu'il fait? Il va avertir Cafaro? Monsieur Tual, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler à Cafaro. À quoi ça sert? Il l'a enlevé du mur pour ça. Bon, d'accord, pas de carton. Mais coup franc, donc pour Guingamp, on est sur le côté de la surface à 1m52. La ligne droite de la surface, Picard pied droit pour que ce soit sortant, Merguem pied gauche pour que ce soit rentrant, tu l'as aussi, Merguem, Picard, 5 rouges dans la surface, direct ou indirect, coup de sifflet de Monsieur Tual sous les huées de Geoffroy Guichard, c'est rentrant pour Merguem, ça part bien, oh, la tête de Batou Binsika, il est où ce ballon? Il est en corner, il est en corner, il reste une minute dans ce temps additionnel. Saint-Étienne qui a un genou à terre, mais il faut marquer le deuxième. Il faut marquer le deuxième parce que franchement, ils seraient heureux hein, de regagner les vestiaires à un but partout. Tellement ils sont en souffrance pour terminer ce premier acte. Mehdi Merguem pour le 8e, 9e corner peut-être de Guingamp dans cette première période. Merguem, pied gauche, ça part vers la surface de réparation. Sivis, pourquoi tu frappes pas Sivis? C'est pas grave. Louisère, allez, qui peut décaler. Donatien Gomis en position d'ailier droit. On a le temps de la centrer, celle-là. Gomis qui centre du pied gauche, c'est très haut. Guillaume à la retombée, une intervention stéphanoise. Merguem qui tricote encore. Merguem qui trouve une position avec Picard maintenant. Centre de Picard, faut se dépêcher là pour la mettre dedans, les enfants. Ben Mohamed, voilà, qui centre. Il y a du rouge, une tête verte avec le Monnier de la tête maintenant. C'est la mi-temps. On peut respirer. Et Saint-Étienne peut respirer. Les supporters peuvent siffler timidement parce que les Verts ont été sacrément bousculés dans cette fin de première période par des Guingampais qui ont réussi à égaliser par une très très bonne fin de première période grâce à la tête de Kalidou Sidibé. Allez, on va marquer une pause, mais juste avant la pause, les scores, enfin. Et il s'est passé tellement de choses dans ce match que j'ai pas pensé à vous les donner. Les scores à la pause, les amis. Ajaccio-Laval 0-0. Angers mène contre Grenoble 1-0. Auxerre mène contre Concarneau en Bretagne 2-0. Même score pour Bastia à Dunkerque 2-0. Le PFC mène aussi 2-0 contre Rodez à Charletti. Pau même face à Valenciennes 1-0. Oh, Bordeaux. Bordeaux est mené 2-0 à QRM. Et 3 mène 2-0 contre Amiens. Et un partout donc ici entre Saint-Etienne, hop là mon téléphone, et Guingamp, un partout but de Mouefek à la 21e égalisation, Sidibé, 42e minute. La pause à la mi-temps, chers amis, et ne zappez pas parce que le premier extrait du podcast du Cop Rouge arrive. A tout de suite. Brit Hotel Guingamp. Hôtel, bar, séminaire, situé au pied de la gare.
Après plusieurs mois d'attente, ça y est, nous pouvons enfin vous annoncer l'ouverture du site alaguingampaise.com. Rien de révolutionnaire, c'est juste une plateforme qui vous permet d'être redirigé vers tous nos contenus. Les soirs de match, vous branchez dessus et vous allez sur Facebook, YouTube ou Twitch. Les autres jours, vous pouvez aussi retrouver nos podcasts, notre boutique, pour ceux qui aiment la casquette, pour ceux qui aiment le café, ou ceux qui aiment tout simplement rigoler avec leurs copains ou tout seul. Voilà, le petit décapsuleur qui va bien. Et puis, il y a également un espace pour les partenaires qui souhaiteraient faire un petit peu de pub sur nos contenus à laguingampaise.com. Il n'y a pas plus simple. Regardez comme c'est bien au quiz à la mandoline. Vous pouvez vous inscrire, il reste de la place pour 4-5 équipes. Regardez, des places pour Guingamp-Rodez. C'est pas bon ça, Gaëtan Pinel. On fera gagner ça au quiz. Merci en avant de nous avoir offert ça. Donc disponible à la mandoline. 6 places pour le Guingamp-Rodez du match du mois de janvier. Pardon. Allez, je vais les ranger là parce qu'il faut pas les perdre quand même. À la Guingampaise, les podcasts. Alors là, on arrive donc au départ du Cop Rouge. Et justement, à quel moment, Miko, comment ça marchait par rapport à la butte? Parce qu'on se souvient du match contre l'Inter, vous étiez aussi sur la butte. Comment ça se passait, les différentes positions du Cop Rouge? Bah, comme le stade avec, on va dire, deux tribunes officielles, on va dire, la présidentielle plus donc la tribune d'honneur, le déplacement sur quelques matchs en but, c'était le but aussi que il y avait pas assez de places assises, et notamment contre l'Inter, l'énorme UEFA, hein, comme on le sait tous, à ce moment-là, ils ont décidé, le club, de mettre, il n'y avait pas de siège, mais dans la tribune d'honneur, ils avaient dessiné des petits sièges, des rangées de sièges, si vous voulez, avec de la peinture, pour pouvoir avoir la capacité minimale pour pouvoir jouer au dos, quoi. Donc du coup, le COP forcément s'est déplacé sur la butte par ce souci-là de respecter les normes des places assises, le minimum de places assises pour pouvoir réceptionner l'Inter en 97. Ouais. Brit Hôtel Guingamp, hôtel, bar, séminaire situé au pied de la gare. C'est Guingampaise, allez, pourquoi pas une contre-attaque avant la pause, Guillaume. C'est une position que j'aime particulièrement avoir aussi de temps en temps, être face au jeu. Et puis je me projette, il y a des bons appels, notamment à Mine à droite, à Madou à gauche. Guillaume, il y a Sagna à gauche en bonne position, faut le décaler. Je me dis que la défense se déporte vers la droite, donc j'essaie de la casser vers Amadou pour qu'il soit pris un peu en contresens. Voilà qui est fait, Sagna dans la surface. Et il me la remet gentiment et puis... Sagna qui va remettre ce ballon à Guillaume. Et le voilà. On m'a toujours dit en tant qu'attaquant de remettre d'où ça vient, donc c'est ce que j'ai fait et puis ça rentre, tant mieux, je suis content. Le voilà, le but Guingampé, le troisième de la saison pour Baptiste Guillaume, qui vient fêter, célébrer ce but devant le Cop Guingampé qui fait du bruit ce soir, qui est entendu dans le stade de l'Homme et juste avant la mi-temps, Baptiste Guillaume qui vient récompenser les Guingampé sur ce centre de Sagna. Le 1-2 est arrivé entre les deux hommes et ça fait 1-0 pour l'Homme avant Guingamp. Alors, la dernière partie de cette interview, Jules Godin, c'est un petit quiz. On le faisait à l'époque de la radio avec les anciens de Guingamp pour revenir un peu sur leurs années guingampaises. Nous, c'est surtout sur l'année dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. À ton avis, t'as combien de bonnes réponses sur les 7 qui arrivent? Moi, je pense que t'es capable de claquer un 6 sur 7, au moins. Ouais, 5, 6 sur 7, allez, on essaye. Allez, c'est parti. Quel joueur dans l'effectif est né un 9 mai, comme toi? À Guingamp? À Guingamp, ouais. Oh, je le sais, parce que l'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire à Lyon en même temps. Attention, il y a un petit chrono, hein. 5 secondes. 2, 1, vas-y. Ah, Hugo Picard. Ah, ouais, je te jure, je le savais en plus. Parce que j'ai fêté, on a pris un gâteau l'année dernière ensemble. Ah, eh ben, écoute, 9 mai prochain, il faudra le refaire tous les deux, vous trouverez un moyen. lors de ton premier match en pro à Amiens, donc en 2021, si je dis pas de bêtises,
Tu rentres quelques minutes sous l'air Bompard. Quel joueur tu remplaces? Quel joueur je remplace? Je suis rentré milieu droit déjà, ça je m'en souviens. C'est pas Ronnie Rodelin? Bonne réponse, bonne réponse. Ronnie Rodelin. Un point sur deux questions. Contre Pau, donc, tu marques deux buts. Ça, je ne vais pas te l'apprendre. Première journée de la saison 22-23. Mais comment s'appelle le gardien de Pau? Jérémy Prior. Non, c'était pas lui. C'était pas Prior? Je crois que c'était Prior au match retour, mais au match aller, c'était pas lui. Ah, au match retour. Au match aller, c'était qui? Je sais qu'ils n'avaient pas leur maillot au match aller. Le gardien n'avait pas son nom sur le maillot. Ah, c'est possible. Ah bah, c'est peut-être pour ça que tu sais pas, alors. Un demi-point. Ça, parce que ça, c'est pas mal comme réponse. Oliero. Ah oui, Oliero, ouais. Il est parti après, ouais. Ouais, allez, 0-5 sur 1. Tu marques deux buts sur ce match-là, mais dans cette même rencontre, il y a un joueur qui fait un doublé de passes décisives. Qui? Taylor Lewandbo. Bonne réponse. Un point. Sur ce match-là, allez, à un près, combien de joueurs formés au club avaient évolué sur toute la rencontre? Pas forcément que les titulaires, hein, ceux entrés aussi. Taylor, Livo, Tizriou, Baptiste, il jouait. Je dirais 5-6. Ah, faut t'arrêter sur un chiffre. Hein. Ah, je dirais 5, allez. C'était 6, bravo, ah, ouais, ça passe. Enfin, on a fait, c'était 6,5, Paloudge aussi qui est entré à la fin, mais bon, ah oui, c'est allez, sur la 6. Fin. Il y a eu Théo Lenormand aussi qui jouait, ouais, qui avait joué ce match. Allez, un point, on est gentil. L'année dernière, il y a un seul club contre lequel tu as perdu deux fois. Match aller-retour, tu as perdu les deux. Qui était ce club? Quel était ce club? Match aller-retour. C'était des matchs bien moisis. Hein. Il y a prescription aujourd'hui. Bonne réponse. QRM, un point. Et enfin, dernière question. L'année dernière, si nos stats sont bonnes, tu as délivré 3 passes décisives en Ligue 2. C'est ça. Mais pour qui? Pour quel joueur? Baptiste Guillaume. C'est bon. Je sais que Baptiste, je lui en ai fait 2. Une contre Grenoble, une contre Sochaux. C'est bon. Et ma troisième passe D, c'était contre qui? Ouais, je sais plus. La troisième, je sais plus. Ah, Courté, quand même. Pardon? Courté? Non. Je sais pas. C'était Livolant. Livolant contre Saint-Étienne. Ah, oui, c'est vrai. Oui.